Voilà, bah du coup, tu vois, le voilà au complet, le poémaire. Il va être beau sur la bibilette, hein. Beau travail. Ah, voici mon beau pot MR posé sur mon établi bordélique. De toute façon, j'ai pas de place, hein. Donc, quand tu verras cette vidéo, il y aura eu pas mal de changements. Donc là, je vais le monter. Je voudrais remercier Romuald qui m'a envoyé un canon de variateur Malossi qui me l'a offert, hein, tout simplement. Donc, merci Romu. Fred qui m'a offert un pignon. Voilà, un pignon de 12. Donc à la base il le vendait et puis je lui ai demandé de lui acheter. Il m'a dit ah mais c'est ton anniversaire, tu es youtubeur. Je dis ouais. Et il m'a dit bah écoute je te l'envoie. Donc merci merci Fred, c'est vraiment sympa de ta part. J'attends des ressorts de variateurs qui viennent de chez Tomahawk. Donc c'est Julien qui me les envoie aussi gracieusement pour mon anniversaire. Donc je les attends là, ils vont pas tarder à arriver si tout va bien. Allez, toujours en mode galérien, même le sol, hein, c'est pas grave. Démontage du pot. Donc ici, il faut que je vois si je vais être obligé de supprimer ma soudure, hein. Ça m'embêterait franchement, mais bon. On va voir. Parce que c'était bien pratique, tu vois. Voilà, ça y est, ça c'est bon. Et un. Voilà. Donc celui-ci, en fait, ce serait comme ça, si j'ai bien compris, tu vois. On va déjà monter ça. La petite rotule, tu vois. La petite rotule. Donc là, il y a déjà un joint, c'est bon. Tac, comme ça. Hop. Elle force un peu, hein. Mais elle va se roder, de toute façon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, il faut que je trouve deux vis. Est-ce que j'ai ça en stock? Donc là, je fixe ma rotule. Tu vois. J'aime bien utiliser des vis cipants pour fixer les rotules. C'est bien pratique. Voilà, ça y est, tu vois, c'est fait. Ensuite, donc, l'idée, ça serait ça. Ah, merde. Ok, donc là, est-ce que ça irait comme ça? Ouais, bah, ça irait comme ça. Tu vois? Parce qu'il y en a qui le mettent comme ça, tu vois? Et comme ça. Ben nickel, je vais faire ça, je vais le mettre ici. Voilà, tu vois. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas ce que je voulais faire. C'est comme ça, la 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 la. Bon, comme tu le vois, ça y est, le pot est en place. J'ai mis de la gaine autour là, hein, pour le protéger déjà, pour absorber éventuellement les vibrations. Je ne sais pas si c'est conseillé, moi je le fais. J'ai actuellement un gicleur de 98. Donc, pour une part de surprise,
vu que je change, je mets un pot plus performant. Je vais monter le gicleur. Voilà. Ah, merde, il pleut, faut que je rentre les mobs, putain. Bon, je reprends. Donc, j'ai dit que j'allais changer de gicleur principal. Donc, je vais monter à 112. Voilà, je vais monter à 112. Donc, ça fait 14 points de plus. Si c'est trop gros, c'est trop gros. Si c'est... Voilà, on verra. Je prends pas le risque de serrer le moteur. Je préfère faire mon expérience et puis... parce que... J'ai pas envie d'avoir une surprise sur ce cylindre. Que là, franchement, j'espère que ces cylindres-là, ils vont rester et puis qu'ils vont fonctionner longtemps, hein, sur les deux mobs, là. J'ai sur les trois mobs, en fait, hein. Mais surtout sur la MVL et la SPX. Parce que c'est des mobs que j'ai vraiment envie de fiabiliser. Et qu'elles roulent longtemps, tu vois. Et là-dessus, si tout va bien, dans quelques temps, il y aura un nouvel allumage. Plus performant. Cadre, je vois rien. Ben moi non plus. Je vois pas ce que je dis alors. Tiens, ça y est. Tu vois, là, hop, il est droit. Je vais resserrer ça et c'est bon. Donc le petit gicleur de 98, je vais le mettre là, tu vois. Et hop. Ok, ça. L'essence dans le réservoir. Donc tu vois la place que j'ai pour la démarrer là. Il faut qu'elle démarre sur 50 cm. Donc je vais essayer. Au moins pour l'entendre tourner, tu vois. Parce qu'il pleut, il pleut grave là. Ah, ça y est. Hop. Démarra pas. Allez. Ah, ça démarre. C'est direct, hein, trop riche. Ah là, c'est vraiment de la mécanique de Grow Wolf. Hein. Alors attends. Hop. Vérification. Donc là, c'est bon. On est calé. Boum. 1,3. Donc ça, 17. J'arrive. Hey, oui. Vraiment, falloir te trouver une table. Oh, mais c'est la misère. En plus, dans les graviers, là. Pff. Non, mais il va falloir te trouver une table, ce sera plus simple. Ah, ouais.
Donc, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait, d'après mes papiers, un gicleur de 55 à l'intérieur, ce qui est beaucoup trop gros. Voilà, donc là, je vais nettoyer tout ça. Hein. Je vais vider le contenu du carburateur dans la petite boîte. Allez, je le mets de suite dans le réservoir. Hop, tu vois. Voilà, regarde. Un petit coup de visseuse dans ta face. Tu vois, attends, je vais mettre le truc en dessous. Tu vois. Ah, j'adore. Quand les vis, elles tombent par terre comme ça, c'est le top. Allez, hop. Trois vis. Boom. Une, deux, trois. Putain. Voilà. Ok. Bon. Ça, plus le joint. Voilà. Allez, bon, ensuite, donc, on a dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, je voulais te montrer, regarde. Tu vois? C'est ce que je vais mettre à la place de celle-ci, tu vois. En espérant que ça aille. Hein. On verra. Allez, ensuite, ça, il faut dégoupiller le gicleur de 98, voilà, et puis le gicleur de ralenti. Oui, aïe, ça va pas, oui, didi. Allez, combien que c'est là-dessus? C'est un 48. Bah écoute, je vais descendre. Hein. 48. Je vais mettre à 45. J'aurais bien aimé avoir un 42, mais je n'en ai pas. Donc il n'y aura pas de 42 en place. Qu'est-ce que ça pue ce produit là? Églou, églou, églou. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Parce que quand je vais enlever le bouchon là-bas, ça risque de pisser, tu vois. Non, même pas, ça va. Ok. Ok, sœur. Voilà, ici, je vais déconnecter ça, donc on a dit le gris sur le marron. Allez, gris marron. Voilà, ici, ma clé de 7. Tu l'as fait exprès, hein? Ouais, tu l'as fait exprès de ne pas me donner tout de suite ta bonne clé.
Il n'y a même pas, tu sais, il n'y a rien d'indiqué. La polarité est là-dessus. Le rouge, le petit point rouge, c'est à mon avis, c'est le positif. Tu vois. Voilà. Donc ça va être comme ça. C'est ce qui me semblait, hein. Putain. Là. Là, ça irait encore. Mais là... Oh, mort de couille. Bon. Ça, je vais l'enlever. J'ai tout mangé le chocolat. Nani, 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 nana. Alors, attends. Yo, putain. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises. Oui, oui, oui. Bon, allez, on va voir ce que je trouve là-dedans. Ah, putain. La logique veut que le noir soit le négatif. Et le rouge soit le positif. Donc, je vais contrôler le sens de rotation. Enfin, le rouge, le vert, hein, on se comprend. Le rouge parce qu'il y a un point rouge. Alors, je vais te donner une astuce pour connaître le bon branchement de la pompe à eau. D'accord ? Donc déjà, en général, le noir, c'est le négatif. Si tu veux en être sûr, pour connaître le bon sens, moi, j'ai mis ma pompe comme ça. D'accord ? J'ai relié le négatif sur une batterie. J'ai mis de l'eau là, pour jusqu'à ce que ça coule un peu. J'ai mis le positif et l'eau, elle est bien ressortie là. Donc, c'est que c'est bon. Voilà. Donc là, je vais le brancher comme ça, tu vois. Voilà. Et puis là, je pense que je vais couper un petit peu pour gagner de la... Tu vois. Voilà. Je vais faire ça. Comme ça. Et puis là, je vais recouper. Parce qu'il ne faudrait pas que ça touche ici. Hein. Voilà. Parce que là, actuellement, c'était comme ça, tu vois. Je suis obligé de faire avec de la récup, hein. Putain, ça fait scier. Hein. Bon, alors, je te montre un petit peu là, vu que j'ai rallumé, un petit peu où j'en suis quand même, tu vois. Donc là, j'en suis à l'étape du raccordement. Voilà. Donc là, je sais pas si tu le vois, j'ai mis un interrupteur pour couper la pompe en cas de besoin. Tu vois. Si un jour, je tombe en panne de pompe, comme ça, je peux la couper et puis raccorder. Non, je dis des conneries, c'est bon, je dis de la merde là. C'était valable avant, ce n'est plus valable maintenant. Oui, 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 qu'est-ce que c'est, casse-couille. Putain. Pat, pat, sois efficace, pat. Bourre-lui l'oignon. On y est presque, là, tu vois. Mon papa à moi est un gangster. Un gangster, mon père. Voilà. Un petit coup de gain thermos amer, tu vois. Normalement, j'ai ce qu'il faut, j'ai le décapeur thermique, mais franchement, j'ai pas envie. Là, ouh, ouf. C'est chaud, c'est chaud. Chaud cacao. Voilà, tu vois. C'est bon. Aïe, c'est chaud, c'est chaud. C'est bon, allez. Comme ça. Ensuite, ici. Donc là, je sais que c'est mon positif, là, mon négatif. Donc je vais lui mettre des cosses dans l'oignon. Alors,
Voilà, la pompe est en place, hein. Donc l'avantage de cette pompe, c'est que tu la vois tourner, tu vois. Après, au niveau étanchéité, je ne sais pas comment que ça va se passer. Peut-être que je vais y mettre quelque chose autour. Pour le moment, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit on voit le rotor. Et ça me plaît. Voilà. En fait, j'ai arrangé un peu mes câbles pour que je puisse remettre mon carter. Ça, c'est encore un truc super, tu vois. Une fois que tout sera fermé, là, je vais pouvoir remettre le petit carter quand, ce sera réglé, tu vois. Donc ça, ça va être nickel. Je pourrais remettre mon carter ici. Et puis la pompe, eh ben, écoute, elle est légère. Donc là, si ça fonctionne avec ce radiateur, franchement, pour moi, ça serait le top, quoi. Voilà. Ce serait le top. Mais ça, faut pas rêver, hein. Il ne faut pas rêver. À mon avis, je vais être obligé d'en mettre un plus costaud, hein. Mais bon, allez, on n'en est pas là. Déjà, je veux voir le rendement de cette pompe, si ça a amélioré quelque chose. Tu vois? Ah, ça fume, hein. Ça fume un peu, c'est normal. Alors, je viens actuellement de régler le carburateur. C'est pas encore final, la phase finale. Je t'explique depuis le début. Donc, changement de pot. Avant changement de pot, j'avais un certain nombre de poids sur le variateur. J'avais des ressorts d'origine sur la poulie R3 ou R2, enfin la poulie Doppler, d'accord. J'avais un gicleur principal de 98 et un gicleur de 48 en gicleur de ralenti. Je monte le nouveau pot, la mob ne décolle pas, elle décolle pas, tu vois, elle ratatouille tout. Je commence par mettre un gicleur de ralenti de 45, ça va un peu mieux. Je mets un gicleur de 40, ça va carrément mieux. Ok. Donc, à la base, j'avais changé le gicleur de principal, j'avais mis directement un 105. Ça n'allait pas. Donc, je suis redescendu en 98, en gicleur principal, jusque-là, tu suis. Alors, depuis, j'ai doublé les ressorts au niveau de la poulie. Ça fait qu'elle elle accroche à 9000 tours, ce qui est énorme par rapport au voisinage, on va dire. Parce que sinon, à proprement dit, si c'est une mob de compète, ça gêne personne. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais commander des ressorts. Ils accrochent aux alentours de 7500-8000. C'est déjà mieux. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai enlevé les poids. J'avais 4 poids de 2,3 grammes, sans les vis, hein. Donc je les ai changés et j'ai mis 4 poids de 1,9. Donc là, ça fait que là, elle prend 11500 tours et j'ai pas essayé de me coucher dessus, hein. J'attends, il y a un cycliste. Bonjour. Donc là, elle prend 11500 tours. Sérieusement, elle arrache. Les accélérations, elle arrache. Donc là, la température était de 80 quand je me suis arrêté là. Donc ça aussi, il faut que je surveille. Allez, je repars.
Franchement, ça marche. Ça marche fort, mec. Hein. Allez, on va contrôler cette bougie. Je pense que si j'arrive à résoudre le problème de chauffe, si j'arrive à résoudre le problème de température là, franchement, ça peut le faire. Hein. Ah, c'est vrai qu'elles font 1 km de long. Hein. Tiens, regarde la belle couleur. Tu vois ?